Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour un nouvel épisode sur de carrière de manager à l'US Avranches. On rappelle qu'on est toujours en N2, on veut monter en National 1. J'ai fait deux recrues encore, sauf que là j'ai pris Bouchard pour 650 000 euros, plus un autre joueur, mais je sais pas pourquoi il apparaît pas là. L'autre joueur, le voici, c'est Davis, un milieu gauche, 550 000 euros. Bon, niveau mercato, ça approche bientôt de la fin du budget, il me reste plus qu'1,7 million, je crois. Donc, pour l'instant, on a Batman dans les buts qui nous est prêté par l'Atlético de Marseille, Peterson, Okoye en défense, Bosco, latéral droit, Jackson à gauche, Chokran, Perret, Combe, Ciao pour les milieux de terrain, McMullen, Bonsu en attaque, Bouchard et Davis, les nouvelles recrues sont sur le banc. Allez, c'est bien, ce mercato, il avance, on a enfin des joueurs sur le banc. On en avait en début de saison, mais on rappelle qu'on avait vendu certains joueurs. Qu'entre-temps, il y a eu des blessés, enfin, c'est vraiment saison incroyable avec Avranches, surtout dans le négatif sur le point des blessures. Mais bon, ça fait partie du football, les blessures. Allez, c'est parti pour ce match face à Bastia. Cette passe, elle est pour un Bonsu. Bonsu avec ce ballon aérien. La reprise, direct derrière. Dommage. Récupération de Combe. Combe à Perret. Perret, McMullen. Le ballon est bien zéro, hein. Pandore. Pandore, il est sur le côté. Pandore. Ah, il s'écroule. Ah, il est taché, allé chercher le penalty, le joueur adverse. Parce que le tacle au début, il n'était pas dangereux. Il est venu se jeter dans les pieds. Oh là là. Oui, bon, il y a peut-être un peu faute aussi. Mendes. Mendes, ah, c'est de l'autre côté, c'est de l'autre côté. Ça fait un zéro pour le CA Bastia. À la 27ème. Oh, il arrive à passer. Allez, ciao. Il dit au revoir à la défense. Ciao. Ciao. Oh, il y avait peut-être un pénalty. Il y avait peut-être un pénalty au courant scandale. Dans le stade. La tête. Ça va revenir sur, sur Chokran. Allez, Chokran, le milieu de terrain droit. Chokran. Chokran. Le centre rentré. Le but est vide. Et ciao. Qui vient marquer. Les deux recrues. Le milieu droit pour le milieu gauche. L'un est passeur, l'autre est buteur. Égalisation méritée pour Avranches. Les recrues qui apportent beaucoup, hein, dans des scénarios comme ça. Voilà, Chokran qui passe. Et égalisation de Chao. Le chinois qui fait un gros match. Hein. On n'a pas trop vu l'écossais côté droit, hein, Chokran. On a juste vu sur cette action. Mais le chinois, il est énorme. À confirmer dans les prochains matchs. 1-0, enfin un but partout. Balle là de Bastia avec Chokren. Chokren, la montée du latéral droit. Bosco. Voilà, la faute sur Bosco là, limite. Ouais, on va concéder la sortie. Ouais, le joueur qui se jette. Koné. La relance est ratée. Ça va revenir sur McMullen. McMullen qui a vu le dans le dos. Bouchard. Bouchard. Ouah, Bouchard. C'est sa première incursion. Lui qui a remplacé Bonsu. Il a failli marquer. Bouchard. C'est un match nul, je pense, face à Bastia. Très difficile à jouer cette équipe. Hein. C'est un gros bloc. Difficile à bouger. On arrive à égaliser quand même un peu partout. Bon, ce sera compliqué de faire encore des recrues, il ne me reste plus que 100 000 euros. J'ai encore mis 250 000 euros sur un milieu de terrain pour le banc. 19 ans, il nous vient du PSG. Et un buteur capable de jouer à gauche et aussi au milieu de terrain pour 300 000 euros qui nous vient de l'Estac. 19 ans lui par contre. Allez, je sais pas s'il y aura encore des recrues. S'il y a des recrues, ce sera des joueurs libres. On n'a plus de budget de faire des transferts. On a quand même fait un très bon mercato. On a pallié pas mal de blessures. Et on a un banc un peu plus fourni et une réserve aussi un peu plus fournie. Donc ça fait plutôt plaisir. Et on part pour un match de Coupe de France face à Strasbourg. Et McMullen essaie de récupérer le ballon. C'est une récupération de Saïd. Sissoko. Cristaldo. Motiba. Ça passe dans le dos de la défense de l'US Avranches avec Delaine. Ah, il fait faute. Bosco fait faute.
de latéral droit. Il tente de récupérer ce ballon, ouais, il fait faute largement. Hein. Il gêne le joueur. Et le joueur s'écroule. Saï, ça touche le poteau. Attention. Ouais, la parade de Batman. On s'en sort plutôt bien en revanche. Ouais, mais attention, ça va revenir encore avec Saï. Saï, ça passe en dessous. Allez, Showcrane. Ouais, c'est bien récupéré par Strasbourg. Il ne se laisse pas avoir par les prises de balles rapides de nos ailiers. Showcrane. Ouais, récupération purée. Ouais, la petite passe, elle est pour McMillan. McMillan avec Showcrane. Showcrane, le centre. Et le but. Le but de Bansou. L'ancien joueur du LOSC. Qui a dû jouer quelques matchs de Ligue 1 hein, face à Strasbourg. Eh bien, il vient marquer 1-0 pour l'USA. Cette contre-attaque très rapide. Le centre en retrait. Bansou qui est là pour couper. Il a coûté cher cet attaquant. 1,6 million si je me souviens bien. Mais il est très efficace devant le but. On avait besoin d'un buteur aussi efficace que McMillan pour l'accompagner. En tout cas, c'est le cas. Batman. Nickerson. Jackson. Combat. Jackson, la montée de KO dans le dos de la défense de Strasbourg. KO qui crochette. Ah, il a voulu peut-être en faire ton KO. Bansou. Ouais, la petite passe pour KO. KO. Oh là 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 là. Ils enferment bien les joueurs de Strasbourg. Défense de Ligue 1. Défense de fer. Ouais, Peterson. Jackson. Petite passe pour McMillan. McMillan avec Bansou. Bansou qui se retourne et ça fait 2-0. Largement mérité. Avranche domine les débats. Manquait un petit peu de créativité devant pour finir. Mais cette fois-ci, Bansou vient marquer. Ça fait 2-0. Ouais, Bansou il est recherché pour le 1-2. Bansou face au but de Strasbourg. Il frappe 37ème. Strasbourg subit. Et Strasbourg ne rompt pas pour l'instant. Il n'y a que 2-0. Hein. Il y a des occasions pour Avanche, mais le 3ème but n'est toujours pas là. McMillan qui veut relancer, enfin gêner la relance. C'est Jackson qui récupère ce ballon avec Perret. Perret, le petit décalage pour Showcrane. Showcrane, il attend la montée de Bosco, c'est bien fait avec Bosco. Bosco, le centre retrait, il est pour McMillan et le 3ème but pour Avanche. Domination totale du club de National 2. Ça fait 3-0 face à Strasbourg. Bansou subit la faute de Strasbourgeois. Récupération Avanche avec Combe. Eh, Combe, il perd le ballon. Mais Combe, milieu de terrain, il n'y a pas plus fort. Hein. National 2. Curé. Et le petit décalage pour Combe. Et la montée de Jackson. On tentait de trouver KO. La Serbie a signé à Lugasso. Ouais, la bonne récup. Hein. Perret. Perret avec cette passe en profondeur pour KO. KO qui est parti dans le dos. KO qui va centrer. Le but de Bansou. Il est incroyable, Bansou. Et ça fait 4-0 pour l'USA Avanche face à Strasbourg. La différence entre les deux groupes. Boumba. Et Tran, il a poussé un profil à McMillan. Alors que Mathis Bouchard a plus un profil à la Bansou. Allez, purée. Ouais, le petit décalage pour Combe. Combe qui arrive à trouver Bouchard. Allez, Bouchard, il a de l'espace. Bouchard. La faute sur Bouchard, là. Désolé, la faute. De l'aile. Ouais, Tran. Tran qui se retourne.
Oh, qu'est-ce qu'il est fou ce Trane. Trane qui centre pour Bouchard, les deux attaquants qui ont remplacé McMillan et l'autre Bonsou. Ce sont Bouchard et Trane, mais ils sont en action et ça fait 5-0. Et stade 2. Voilà la petite heure de Thomasson avec Trane. Et Davis, il arrive à passer par-dessus son vis-à-vis. Davis, il est parti dans une grande chevauchée. Davis. Ouah, puis là, c'est récupéré par Bouchard. Ça fait 6-0. Le football total proposé par l'US Avranches. C'est magnifique. Oh, la faute. Carton jaune. Ah, c'est une faute intelligente, on va dire. Elle arrête une attaque de but. Coup franc pour Thomasson. Thomasson, ça passe au-dessus. Voilà, en plus, il y aura des trucs immanquables. C'est parfait pour nous. Allez. Ok. Peterson, faute sur Peterson. Enfin, sur Jackson plutôt. Jackson. Avec Davis. Oh, Davis. Davis, il avait fait la différence. Sissoko. Et ça s'impose 6-0. C'est la petite surprise de cette Coupe de France. L'US Avranches écarte véritablement une grosse équipe. 3 buts, le triplé de Bonsou, ancien joueur de Ligue 1 qui est très fort, hein, cette jeune pépite. Bon, le mercato continue. Donc on a Guédard qui est parti pour 940 000 euros. J'ai pu faire venir un joueur à 450 000 euros avec un transfert. Erksoy, 18 ans, latéral gauche. Donc on a un remplaçant au poste de latéral gauche. Je voulais faire venir un latéral droit, mais il me manque 1000 euros pour son salaire. Vraiment 1000 euros, c'est tout ce qui me manquait. Donc j'ai pas pu faire de deuxième latéral droit pour l'instant. J'attends une vente. Allez, Bonsou, il est en forme. Hein. Amadou, Bonsou. Très en forme du côté d'Avranches, à la pointe de l'attaque, associé à McMillan. Et on est parti pour ce match. Face à Beauvais. Saline qui est en train d'attaquer. Bon retour de Chambon. Purée. Ouais, McMillan, il arrive à passer. McMillan, il arrive à centrer. La petite reprise de Bonsou. Et ça fait 1-0 pour l'US Avranches. Face à Beauvais. L'AS Beauvais se retrouve mené par l'US Avranches sur cette très bonne attaque. Bonsou à la finition, comme souvent depuis qu'il a été recruté. Et c'est McMillan qui fait encore un gros travail. Il était orphelin de Fischer, McMillan. Et là, avec cet attaquant qu'on a récupéré cet hiver, on sent que cette doublette va faire très mal hein, sur cette fin de saison. Alors, combien de buts déjà pour lui? 3 en 3 matchs. Très bonne. Récupération de Jackson. Ouais, KO. KO, il arrive à éliminer. KO. Allez, on va essayer de mettre la défense de Beauvais. KO. Avec peut-être un deuxième but. C'est fait, le deuxième but. Il est signé. KO. Le KO dans cette surface. Le Chinois qui vient marquer. Ça fait 2-0. C'est bien, on casse le rythme. Ils essayent d'aller en attaque. On casse tout. Allez, Batman. Et la chauve-souris. Ouais, la passe, elle est bien vue hein, pour Bosco. Le latéral droit qui est parti. Il va crocheter. Le latéral droit qui rentre intérieur. Il fait cette passe pour Bonsou. 3-0. L'action rapidement jouée par l'US Avranches sur cette contre-attaque. Et ça fait 3-0. Que ça fait mal aux adversaires. Les actions pour les créer. Ces situations de but. Allez, Peuré avec Bosco. Bosco, le latéral droit, il a complètement dézonné de son poste. Avec McMillan. McMillan, la petite passe, on va bien jouer. Avec cette petite sortie. Ouah, il y a limite faute sur Peuré. Peuré va devoir sortir parce qu'il a l'air d'être fatigué, le milieu de terrain. C'est cette première mi-temps. Nos milieux de terrain donnent beaucoup dans cette composition. Tout le monde n'a pas le même abattage qu'un Combe. C'est un Combe de faire des sacrifices. Attention. Oh, la première action de Beauvais, elle a failli être. Bien fini, la passe pour Peuré. Peuré avec Combe. Combe va chercher la passe
pour Bonsu, le petit décalage à venir, il est pour Choprane. Choprane avec McMillan. McMillan qui a vu l'espace et allez hop, ça fait 4-0. Ça fait 4-0. Cette équipe déroule son football en ce moment. L'US avance, le but de Caro. Ça fait 4-0. C'est déjà le cas face à Strasbourg. C'est une équipe magnifique dans les phases d'attaque. Bon, on joue à 10, on le rappelle, faut pas jouer avec le feu. Chambon, Jackson. Ah, il n'y a plus beaucoup de jus, Jackson. Il parvient quand même à faire cette passe. La passe pour K.O. K.O. qui arrive à donner à Bouchard. Bouchard qui avait bien attendu le ballon, mais il est quand même hors jeu. Le buteur, seul en pointe, hein, depuis la sortie. Hein. Il a dû sortir un attaquant pour faire entrer un défenseur. C'est plutôt logique qu'à 4-0. Ouais, la passe, elle est pour Jackson. Ouais, Jackson, il arrive à éliminer. Jackson, il arrive à donner dans le dos de la défense pour K.O. K.O. qui est parti, il attire le gardien. Le gardien est sorti trop tôt. Et Bouchard, Bouchard qui a remplacé McMillan en pointe de l'attaque. Ça fait 5-0 pour l'US Avranches. Bon, cette équipe d'Avranches me fait plaisir. Elle me régale. Alors, il y a les supporters aussi. Et Madis, elle est capable de marquer, donc c'est une belle preuve de solidarité. On défend ensemble, on attaque ensemble. Ça fait des scores fleuves. Allez, Jackson, Chambon, la passe pour Jackson. Jackson, KO. Bon, il arrive peut-être à passer le milieu gauche. Il arrive peut-être encore à tout donner, milieu gauche. Il n'est pas très épuisé, il arrive à passer, éliminé. Waouh, les petits gestes, oh, c'est magnifique. Bon, derrière, il n'y a pas de but, mais quelle action au corps de KO. 5-0, belle victoire. On rappelle qu'on était à 10. On a su marquer un but de plus. On a joué à 10 pendant pas mal de temps. Et c'est une belle victoire. La dernière recrue du club sur ce mercato d'hiver, le mercato d'hiver est terminé, c'est Carvajal, latéral droit, 200 000 euros. Voilà, le mercato est clôturé pour l'instant. Il y aura peut-être des arrivées libres si on a d'autres blessés au mois de février, mars ou autre. Allez, on s'entraîne. On se prépare, le mercato est terminé, l'équipe va jouer le dernier match de cet épisode face à Compiègne. Alors Compiègne, c'est tout simplement l'équipe qui est derrière nous au classement. Ils ont 53 points, on en a 67. Objectif gagné pour creuser l'écart. C'est obligatoire dans un stade sous la neige. Allez, on est parti. On est en forme, faut en profiter pour améliorer le goal average. Allez, KO. Ouais, KO, il arrive à éliminer sur le côté droit. KO, il va centrer dans cette surface. Un peu de réussite, ils vont récupérer ce ballon. Bonne soule. Ouais, KO. Ouais, KO. Il arrive à passer. Le petit centré magnifique. Le retourné de Bonsu. Quel retourné. Oh, il prend le ballon. Il a envie d'en marquer un autre assez rapidement. Mais quel retourné. Et le magnifique travail encore de KO côté gauche. Il a mis KO toute la défense avec ce grand pont. On croit que le ballon va sortir. Finalement, il centre au dernier moment. Ça trompe toute la défense. Le retourné en plus de Bonsu. Ce but était imprévisible. Et là, ils peuvent rien faire en face. Hein. Ça va trop vite. Le leader mène face au dauphin. Tout est cher. Une récupération au combat. Ouais, comment il va s'en sortir, le jeune milieu de terrain. Allez, cette équipe d'Avranches qui pousse avec KO. Et KO qui revient vers l'intérieur. Il a vu le départ de McMillan. McMillan qui essaye de crocheter. Ouais, il s'enferme un petit peu là, McMillan. Il va redonner derrière à Combe. Conservation du ballon pour l'US Avranches. Avec des passes au milieu. Avec KO. Ce petit ballon de Perret qui va tenter de trouver Combe. Allez, Perret, le milieu de terrain qui va récupérer et remettre à Jackson. Jackson qui voit que Perret il se retourne. Oh là 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 là. Dégagé, mais ça va revenir pour Avranches qui domine les débats. C'est Jared Breaker maintenant. Est-ce que ça va être fait là-dessus? C'est fait là-dessus. McMillan qui avait des envies de départ cet hiver. Il a eu des offres. On a tout refusé. On laissera partir cet été, mais cet hiver on en avait besoin pour la seconde partie de saison. Ça fait 2-0 grâce à lui. Avec le petit décalage, il est pour McMillan. Bon dessous. Attention, c'était pas ça. Avec
C'est bien joué ça. Avec peut-être le petit décalage, il est là pour un McMullen. McMullen qui attend, qui attire. Ouais, récupération par Combe. Avec Perret. Perret, McMullen. Ouais, Perret, il a vu McMullen. McMullen. Ouais, voilà, c'est quand même mérité. Pour Avranches, qui pousse, qui pousse. Et un nouveau but de McMullen cette saison, le meilleur buteur de N2. Bon, ils font des changements hein, en face aussi. Il n'a pas là pour faire de la figuration avec cette récupération contre Jackson. Jackson qui est en position de contre-attaquant. Jackson. Ouais, il n'est pas aussi rapide que les joueurs adverses, mais il arrive quand même à y aller. Jackson. Oh la vista. Quelle vista de Jackson. Pour un latéral, c'était magnifique. Récupération de la touche. Ouais, elle est adverse. Avec Gay. La hit. Compiègne qui essaye d'attaquer. Ouais, mais c'est bien récupéré par Canales. Bouchard. Et la petite montée de Tran avec Wapere, le milieu de terrain qui a récupéré. Quelle erreur! Quelle erreur d'un Compiègne! Et ça fait 4-0 pour l'US Avranches, le premier but de Peuré, le milieu de terrain cette saison. Récupération Chambon. Peuré. Canales. Ouais, c'est bien joué ça. Les petits passements de Canales. Faute sur Canales. Faute de frustration. Eh ben oui, techniquement, on est au-dessus aujourd'hui. C'est le club qui veut monter en national. Il faut être un peu plus précis. Ouais, Tran. Ouah, le bon décalage, il est pour Surprane. Le petit ballon. C'est repoussé par cette défense. Ouais, mais le tacle derrière de Tran. Tran qui récupère. Tran qui va le mettre dans la surface, ce ballon. La reprise de la tête n'aura pas lieu. Ça va revenir sur Peuré. Allez, avec le petit ballon par-dessus. Oh là 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 là. Quelle domination. Peuré encore. Peuré avec Surprane. Avec cette passe. Elle est passe pour Bouchard. Et c'est la fin du match. Domination totale. On n'a pas vu le temps passer tellement il y avait d'action dans ce match. Victoire 4-0 d'Avranches. Bon, on va pouvoir se laisser là pour cet épisode. On rappelle la compo maintenant de l'équipe. C'est Jackson, Peterson, Chambon, Bosco, Batman, Surprane, Peuré, Combe, McMullen et Bondsu en attaque. Bon. On rappelle que Chambon, il va ressortir du groupe parce qu'on avait recruté un défenseur qui avait pris un carton rouge. Il y a juste ça comme changement dans la compo. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner pour voir la suite de cette carrière. Le prochain match, ce sera face à Bordeaux en Coupe de France. A plus!